Il n'y a pas de
Ben, merci beaucoup. Ah, merci. Merci, ça je vais avoir. Donc, comme je vous l'ai dit, le Fantasia Garden et l'entrée du Paris Disney. Avec le rayon qui passe en même temps. Et on a de la chance, il fait beau. Oui, oui, on fait vous voulez bien m'en manquer. C'est la première fois que vous venez dans le séance. Et alors ça va les yeux. Donc là, vous allez retrouver des produits qui sont protestés en effet justice si vous voulez regarder. On pourra y aller plus tard peut-être. Oui, je suis donc ici c'est la Royal Collection Boutique. Ce lieu a été sublimé de par des enluminures sur le plafond. Si vous voulez vous avancer, vous pouvez les voir. Et vous pouvez retrouver déjà ici derrière vous. Ça pourrait être la tablette de la tête. Merci. Français et françaises qui souhaitent se Vous allez retrouver aussi des fleurs de lys un petit
un peu partout autour de vous, comme sur les miroirs juste derrière vous. Et maintenant, je vous invite à me suivre juste devant le bar. On ne va pas y rentrer, mais c'est juste pour trouver le devant du bar. Cet emblème remonte directement à la première des légendes de Floris Ier, qui régna entre 509 et 511 en tant que roi des Francs. Donc vous allez retrouver la fleur de lys un petit peu partout, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et nous avons une spécialité en plus dans le bar, c'est que nous avons de nombreux blasons qui représentent des histoires Disney dans la langue du conte d'origine. Donc comme là on peut le voir, vous avez Cendrillon à droite qui sera écrit en français, car c'est un conte français. Et sur la gauche, nous allons retrouver celui de Blanche-Neige et les Sept Nains, qui sera écrit du coup en allemand. Je vous invite maintenant à passer derrière la couronne centrale, pour qu'elle puisse parler des deux récepteurs. Ah bah, on a l'honneur d'avoir Blanche-Neige. Je vous invite à me suivre, s'il vous plaît. Merci. Merci. Merci beaucoup.
Et bien, on va continuer avec la visite plus classique de l'hôtel. Là, je disais que les personnages VIP Disney sont régulièrement, alors c'est pareil que sur la table des lumières, hein, ils font régulièrement des passages comme ça auprès des clients pour se faire prendre en photo. Et voyez que leur costume a été étudié exclusivement pour le Royal Banquet. C'est du fromage blanc. Ah, fromage blanc, c'est notre côté. Ah, c'est notre côté, fromage blanc. Fromage blanc, c'est notre côté. Oui, mais c'est au dessert. Mais c'est pourri, c'est au dessert. Ouais, c'est au dessert. Merci. Merci. Allez, c'est parti. Bonne promenade. Merci. Thank you.
Bâtiments, vous avez la partie est, là où vous aviez le lobby avec l'accueil, tout ce qui est conciergerie, bagagerie, etc. Vous avez le bâtiment central dans lequel vous avez tous les restaurants, les espaces de restauration, bars, restaurants et le Castle Club. Bonjour, bonjour. Tout va bien, tout va bien. On est habillé en dessous, je vous rassure. De l'hôtel, donc le bâtiment ouest, vous avez toutes les chambres de luxe concentrées, les chambres de luxe étant la catégorie au-dessus des chambres supérieures. Et donc ils ont une conciergerie qui leur est dédiée pour éviter qu'ils aient à traverser l'hôtel pour aller dans la partie est où se trouve l'autre conciergerie pour les chambres supérieures. Il y a toutes les cabines de soins et voilà, on ne passe pas pour des questions de bruit, etc. On laisse. Thank you.
It's just a wish for Et votre question, c'est juste de savoir si... Parce qu'en fait, il n'y a pas de fonction particulière. J'ai lu prendre comme un type, en fait, que les gens, quand ils sont aux étages supérieurs, ils viennent, ils regardent. Mais il n'y a pas de fonction réelle. Je pensais que c'était plus de sécurité ou... À ma connaissance, non. Après, peut-être. Mais à ma connaissance, non. C'est vraiment purement... C'est vous, vous connaissez. Mais je ne sais pas tout, donc peut-être que... Est-ce qu'on a récupéré tout le monde? Oui. Mm-hmm. Allez, alors c'est parti. Donc là, on va aller dans l'espace vert, c'est mon central, et l'autre, c'est mon central, pour aller voir les chambres, personnes, et les suites signatures, qui sont donc témoins. Donc, il y a cet espace. Il y a un petit peu.
tellement de monde, tellement de réservations. Et si on ouvre à l'extérieur, les clients de l'hôtel ont bien accès. Ça se passe en France. Pour l'instant, le landback, c'est un peu plus. On n'a pas conscience de nombre de personnes. En fait, par défaut, on n'est pas. Oui, parce que je suis la responsable du club, c'est pour ça. C'est ma mission principale, on va dire. Il n'y a pas assez de 24 heures dans une journée. Ça va. Bon. 23 ans. Alors, avec le club, en octobre, ça fera 20 ans. 20 ans, je fais tout le monde. Le club, il était créé en quelle année ? Il a été créé en 1995. Donc là, on est toujours évidemment dans le Castle Club. On va rentrer dans une des suites signatures. On appelle ça des suites signatures. On a 16 suites. On a 16 suites signatures sur l'hôtel avec 5 thèmes de princesses différentes. Est-ce que vous les connaissez ? Vous êtes timide ou pas? Alors, la Reine des Neiges, réponse, la Belle au Bois Dormant, la Belle et la Bête. Sans Cendrillon. Et voilà, et je vous laisse deviner celle à qui on va aller visiter en premier. Vous allez voir rapidement que c'est pas très difficile à deviner. S'ils ont bien fait leur. Là pour le coup, c'est pas très bien. Allez, là oui. Donc là, nous sommes dans une suite signature Cendrillon. Je vous laisse avancer, hein. Vous avez la première, en première partie la partie salon et plus dans le fond la partie chambre. Sur toutes les suites signatures, vous voyez que vous avez un premier sas avec une chambre à côté. Si pour les personnes qui souhaiteraient avoir une chambre en annexe et privatiser toute une partie pour la famille, les enfants, la nounou. Donc là, la terre a été déplacée, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas là du tout normalement. Donc là, on est sur des suites qui font environ 90 mètres carrés. Donc on a deux types de suites signatures sur l'hôtel. On a les suites signatures classiques et des petites suites signatures juniors, c'est-à-dire que la thématique est conservée. Mais en taille, elles sont plus petites. Donc celles-ci font 90 mètres carrés. On a aussi des suites signatures qui font 60 mètres carrés. Celles qui sont au premier étage, quoi. Elles sont disséminées un peu partout, en fait. Ouais. Alors ça, c'est le moment magique où vous l'avez quand même. Que vous puissiez... Attention. Bon, alors évidemment, en pleine journée, c'est un peu moins lumineux. Mais vous avez aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, des petites lettres dans le tableau. Des lettres lumineuses dans le tableau. Derrière vous, c'est une télé. C'est un miroir, mais c'est aussi une télé. Vous pouvez appuyer si vous voulez revoir le dressing. Hop. C'est le dressing.
C'est très très joli la nuit, c'est vrai qu'en journée c'est moins magnifique. Ça me rappelle un peu l'ancienne raquette. Oui. Oui, oui, c'est vrai que c'est très joli. Tu as ton lacet qui est défait. Ouais, pas de place sur la fibre. En termes de valeur, c'est passé avec 3000, ça c'est très... Les prix, moi je ne saurais pas vous dire parce que ça change tellement. Ouais, ouais. Franchement, en fonction des périodes, du peu de remplissage de l'hôtel, il y a tellement de. Oui, la période de prix. Et bien donc. Oui, alors effectivement, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand on ferme, il y a la robe de. C'était sur le casino, là, pas bien vu, parce que je vais leur montrer aux garçons, ils n'ont pas vu. Tu l'as vu? Oui, en fait, tu peux appuyer là-bas. Mais... Voilà, elle allume pour toi. En fait, on a la main sur la lumière, donc les clients peuvent... Tu appuies sur le bouton, tu appuies là-bas et ça s'allume. Voilà. Et là, le tableau, lui, il n'est pas lumineux comme... En fait, il y a des petites LED lumineuses. Alors, c'est vrai qu'en journée, c'est assez lumineux. En plus, aujourd'hui, on a un beau soleil. Mais c'est vrai que la nuit, ça se voit. Si on voit un petit peu. Mais il y a des petites LED aussi qui scintillent dans la robe de Sandrine. Ça ne se voit pas bien parce qu'il fait trop chaud. Oui, il y a des petites LED. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous les voyez, mais... Il y a des tout petits effets lumineux dans comme des paillettes. Parce que les équipes ne trouvaient pas ça hyper joli, les machines à café, donc ils ont travaillé sur un concept de coffre. Je peux fermer. Donc là, on a un plus grand espace de face avec face. Voilà, merci. Donc là, nous sommes donc sur la Belle et la Bête. Donc, suite signature aussi. Une des 16 suites signature avec une thématique différente. On en a 5 de chaque à chaque fois. Enfin, 4 ou 5. C'est gentil. Et parce qu'en fait, comme on a un timing, mine de rien, ça prend du temps depuis. Donc voilà, ambiance complètement différente. On est vraiment sur une thématique qui est tout autre. Alors l'aménagement des espaces est sensiblement le même puisque vous avez d'abord une première partie salon, cheminée et une deuxième partie chambre. Mais c'est vrai que l'ambiance change vraiment beaucoup en fonction de la thématique. Hop. Et on a un moment magique aussi ici. Aquí también a ver. Luces mágicas que iluminan el cuadrito atrás de la cama. Esto es bellísimo. Voilà, donc en fait sur toutes les suites signature, vous avez un moment magique comme ça. Donc ici, évidemment, on est sur la rose de la Belle, avec des petites LED lumineuses dans les tableaux, dans les artois, dans les tableaux. En las pinturas, en los cuadros, de día no se puede percibir muy bien, pero en la noche, tiene que ser esto.
Alors, même chose, hein, c'est un peu plus visible la nuit. Ouais, ça se voit mieux. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus. Hop, ah, trop tard, je vais la remettre. Vamos a intentar aprovechar a ver que no hay nadie contra la alarma. Peut-être un temps de c'est quoi, ça. C'est un placard. C'est un... Ah non, c'est la salle de bain. Pardon. Je confonds avec la porte d'à côté. C'est le dressing à côté et la salle de bain. Ici. Bien. Je parle. Espejo. Je vais dire que non, c'est un chaud. Pas de stages. Une petite cuisine. Voilà. C'est la salle de bain. Et ici, vous avez. Pardon. Allez, on va accélérer un petit peu, s'il vous plaît. Ouais, très bien. Ouais. Que ce soit des folies. Ouais. Dans les parties communes, je peux comprendre. Et Alors là, il y en a quand même pas mal, hein, sur les tables de cheminée, ouais, sur les tables de salon, etc. Ils travaillent à mettre vraiment de beaux livres sur des thématiques en lien en général. Allez, c'est parti. Hop, on change de Alors je vous disais, hein, même principe, la partie salon et la partie chambre à la suite, avec toujours l'espace cheminé. La télé qui est toujours cachée dans la pelota de 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 la c'est juste lumineux, mais c'est vrai qu'en journée, c'est pas... Là, le tableau, il n'y a pas aussi. Si, si, si. Normalement, il s'illumine aussi. Voilà. Alors là, normalement, il va s'illuminer. Voilà. Est-ce que vous avez marqué? Oui. C'était des queen size? Oui, queen size. C'est pas des queen size.
C'est les king size. Ils font, en fait, c'est des king size. Oui. C'est petit par rapport aux autres. C'est une vue d'esprit. En fait, ils font deux par deux. Ils sont très grands, mais c'est vrai qu'ils font court, en fait. Oui. Ils font large, mais ça, court. C'est par rapport aux oreilles. Mais... Vous voulez que je remette l'effet Comment l'annonce, le spoilers. Il n'a pas fait la vue. Je crois qu'il faut d'abord attendre que c'est ça s'éteigne. Ça. Con colores. Aquí casi no se puede percibir que haga. Si traes solo la parte de la vista de la habitación. Mantienen como el diseño de la habitación, pero de esta forma. Au niveau des ventes, je ne saurais pas vous dire. Ouais, là, c'est, je sais que c'est là jusqu'à 2025, on peut. Il réserve à l'avance pour le côté. Et puis après, effectivement, il y a de toute façon des périodes sur lesquelles il y a plus de monde, enfin les périodes estivales, tout ça. C'est... Vamos por una cuarta.
Yo creo que esta será. No, no sabría decir. Là, on est redescendu un petit peu en gamme. Sí, on est bajando un poco la habitación. En cuanto a las otras habitaciones que vimos, puede que esté un poco más simple por lo que se está au niveau Kassel, mais elles ne sont pas thémées sur une franchise française. Et elles sont plus petites. Donc ça c'est la gamme un peu en dessous de la suite signature. Donc il n'y a pas de franchise princesse particulière. C'est tout bon? Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je vous ai pas dit plein de choses? Je vous ai pas dit qu'il y avait des symboles dans la moquette? On a vu. Voilà, vous avez quatre symboles dans la moquette, donc la pomme, la lampe, la rose, la pomme, la lampe, la rose, et le sourire vert, bien sûr. Et ceci est évidemment une télé aussi. Et le miroir réponse, c'est le même dans toutes les chambres supérieures de luxe et Kassel. Donc là, on est sur une superficie d'environ 40 mètres carrés, à peu près. Et vous avez un miroir témé aussi à la salle de bain. Et vous avez le miroir aussi avec le jeu du crabe. Hop. Là, bête, mais cette fois-ci live action, donc ils sont inspirés du film La Belle et la Bête et pas du dessin animé. Ça vous plaît? Oui. Vous êtes bouche bée là, on ne vous entend pas. La taille du salon est incroyable. Pardon. Et ça, c'est quoi le dessus? Ça, c'est la princesse. C'est pareil à la partie principale. Donc là, on est sur la thématique de La Belle et la Bête, mais cette fois-ci, le film. Le film d'animation. Mais il y a une seule suite princière et on est que sur le thème du Labo. Exactement, au tout à fait. Très bien. Et elle fait 115 mètres carrés, 114 mètres carrés, pas 114 mètres carrés. D'accord. Incroyable.
dossier pour toi. J'ai pu rentrer une fois dans le restaurant parce que quelqu'un m'a invité. Je suis rentrée, je suis allée au restaurant, je suis sortie. Je suis sortie. Ceux qui s'occupent des volunteers, tout ça c'est la com. On y va ? Ouais, je sais pas, je suis même pas du tout parce que je me suis pas dit. Non, mais même ça, c'est immense. Et au fait, quoi ? En fait, la seule chose qu'on n'aura pas vu, c'est les chambres de luxe et les chambres supérieures. Donc, les chambres de luxe. Frozen sweets. Il y a toujours des signatures. Alors ça c'est l'attraction. En fait, à chaque fois qu'on fait rentrer quelqu'un ici, tout le monde se couche sous le même champ. Les gens sont sur la signature de Michael Jackson. Un beau surclassement là. Allez, ça t'a laissé un bon souvenir, mais vous dormez pas de la nuit en fait quand vous avez une chambre comme ça. C'est ce que je me dis à chaque fois, je me dis, mais moi je dors pas. Bah ouais, je me souviens bien. Oui, elle est en dessous. Et j'ai envie d'apprendre. Oui, elle a un plexi parce que sinon. La vue sur le château, elle est pas là. La nuit, c'est là. Ça nous a cherché. Quand tu vas à Walt Disney World, ça n'existe pas, ça. Tu peux pas avoir une chambre d'hôtel avec vue sur le parc. Non, non, il n'y a pas d'équivalent. Non, mais là, après, dans les autres parcs, je sais pas. Où il n'y a qu'une autre hôtel qui est comme ça, qui est aussi la place. Je crois qu'on est le seul. Il y a Tokyo. Tokyo qui a...
À Tokyo. Je t'enlève la lunette. C'est ça, il faut être jeune pour se sentir sur la lunette. Oui, il y a Tokyo et Shanghai. On dort là. Ah, je dis, mais c'est immense, on n'a pas vu de lit encore. Il devrait mettre un poussin par terre. Ouais. Tiens. Merci beaucoup, c'est gentil. Ouais. Bah, il y en avait besoin. Hein. Ah oui, il y a beaucoup de signatures. Oui, 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 je t'ai dit. Après, je ne sais pas c'est pas vraiment si c'est vraiment lui qui a signé. Ah, c'est. Ça, on saura jamais. Magnifique en tout cas. La salle est bien. Il y a assez de grave. Je pensais que ça avait un relief. Mais ça allait. Bon, là, c'est sûr, on n'aura pas vu quelqu'un à la fin. Donc, je compte en sortant. Thank you.
Bonjour, monsieur. Merci. Ouais, là, c'est avec les insiders, on avait la visite. Bonjour, vous allez bien? Pero hay una colección que solamente se Non, je ne sais pas, je ne sais pas.